Le Cybertruck montre ses capacités tout-terrain en s'attaquant aux marches d'escalier de Hollister Hills. Alors, y a-t-il des vidéos? Oui. On va pas se taper l'article. On va directement regarder ce qu'il en est. La première dure 57 secondes. En tout cas, c'est un bon terrain pour tester la capacité des quatre roues motrices. C'est évident. Alors là, il a l'air de galérer pour monter. Non, ça va. C'est mal cadré, monsieur, hein. Bon, on n'en verra pas plus. À titre de comparaison, un Rivian R1T piloté par Ryan Levenson de The Kilowatts, abordant le même obstacle. Difficile de comparer directement avec le Cybertruck car les conditions des marges d'escalier peuvent varier d'un jour à l'autre en raison des différents conducteurs également, mais le Cybertruck semble le gérer tout aussi bien, sinon mieux que le R1T. Voyons. Ça patine pas mal, hein, pour le Rivian. Ouf. Cette chute. Voilà pour ces petites vidéos. Qu'est-ce que vous en pensez des capacités du Cybertruck pour l'instant, de pas ce que vous avez vu là? Ciao.